Coucou, je vais vous montrer un Happy Mail que j'ai fait pour Aurélie de la chaîne Néditernet. À la base, c'était pour Halloween, mais voilà, pas besoin de vous faire un dessin d'excuses ou quoi que ce soit. Je suis toujours, toujours, toujours à la bourre. Ça commence à être gonflant pour moi-même aussi. Bref, je vais quand même lui envoyer le Happy Mail de Halloween. Alors, je vous avouerai que Halloween ne m'inspire vraiment pas du tout. J'ai pensé que, parce que j'avais acheté des trucs et tout, je me suis dit, bah, c'est bon avec ça, je vais avoir de l'inspi et tout. Je n'y arrive pas. Halloween, je n'y arrive pas. Donc, j'ai plutôt fait un Halloween, comment on va dire, kawaii quoi. J'ai trouvé des décorations avec Pushen, le petit chat. Le petit chat Pushin. Et du coup bah, j'ai fait plutôt un happy mail très enfantin. Voilà. Et je m'aperçois que ça se décolle. Je vais le recoller avant de l'envoyer. Voilà, bon bref. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, Happy Halloween. J'ai mis une paille avec des citrouilles. Un stylo dans les tons d'Halloween, mais c'est avec une petite plutôt une petite poupée, on va dire. Donc, voilà. Et pour faire tenir, en fait, j'ai pris des trombones. Voilà. Alors là, j'ai pris des petits sacs mignons, vu que ça, c'est plutôt dans l'esprit kawaii. J'ai pris mes petits sachets Little Twin Star. Et dedans, là, j'ai mis des citrouilles en feutrine. J'ai mis des feuilles qu'il y avait dans un bloc de chez Action. Et il y avait un troisième truc. Et du ruban avec des têtes de mort. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Des têtes de mort, des... Ah, mais elles ont un nom, ces têtes de mort là. Mais bon, bref. Ensuite, à l'intérieur, bah, j'ai mis de la paillette. Voilà. Bon, en général, Halloween et la paillette, c'est pas trop fait pour aller ensemble. Mais bon, je trouvais que ça s'accordait bien. J'aimais bien. Bah, alors ça, je vais l'enlever direct parce que vous voyez, ça s'est décollé. Il va falloir que je le refasse. Voilà. Les petites citrouilles, elles se font la malle. Non, il faut que je leur colle. Bah oui, c'est tout défait de partout. C'est du grand n'importe quoi. Bon, j'ai fait un shaker card avec des petites citrouilles et des chauves-souris. Et une petite breloque comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec Halloween, ça. Ensuite, à l'intérieur, là, j'ai mis tout un assortiment de breloques qui font penser à Halloween. Avec des têtes de mort, un Mr. Jack. Des chats, enfin bon. Les chats, limite les chats noirs, quoi, ça fait penser à Halloween. Ensuite, là, j'ai mis un assortiment de petites. Des têtes de mort. Ouais, vous voyez pas bien avec les pochettes, là. Des têtes de mort, des citrouilles et tout. Ça servira pour l'année prochaine. Et là, c'est les sorcières sur leur balai et des chapeaux à l'intérieur, tout en feutrine. Voilà. Et donc là c'est plutôt des décorations plutôt kawaii hein, on va dire. Donc, voilà. Ensuite derrière bah, j'ai mis le thé. Voilà, que je mets habituellement. Et du cappuccino également parce qu'il va faire froid hein, et on aura besoin de se réconforter, on va dire. Ensuite. Bah, j'ai voulu essayer de faire un tout petit attrape-rêve. Voilà, donc là il y a une araignée, des rubans, de la dentelle noire, des choses comme ça. Mais les tout petits, je me suis dit c'est plutôt sympa pour mettre avec un tout petit attrape-rêve Halloween, on va dire. Et pour emballer, je crois que je vais emballer ça avec la fausse toile d'araignée, voilà. Je vais essayer d'emballer ça dedans. Donc, voilà.
Et comme je le trouvais pas super garni non plus, bah, j'avais trouvé ça chez Primark. Comme c'est plus chien et que c'est pas Halloween, vu qu'Halloween c'est terminé, je me suis dit que ça lui ferait plaisir si je lui mettais un petit assortiment. Alors, c'est un stylo, un crayon, une règle, une gomme, un taille-crayon. Voilà, ça vient de chez Primark. Voilà, comme c'est le même personnage en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on le retrouve ici, on le retrouve ici. C'est le même personnage, donc je vais lui mettre avec. Voilà, et également pour me faire pardonner de mon retard, j'avais fait ce flipbook Bambi. Vous pourrez le voir dans une des vidéos. Donc j'ai fait une petite vidéo où je vous le montrais. Voilà, je vais pas vous le remontrer ici. Et je vais lui envoyer également ce flipbook Bambi que je vais emballer dans de l'organza orange clair, orange chaumonné, avec ce ruban-là que j'aime trop, trop, trop. Avec des bambis et des pampans tout le long. Voilà, il est assez épais et tout, mais pour emballer, je pouvais pas trouver mieux que ce ruban-là. Voilà, donc si vous avez cette vidéo, c'est qu'elle l'a reçue. Et voilà, et je crois que je vais rajouter aussi quelques friandises, parce qu'il n'y a pas grand-chose en friandises là. Voilà, donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt.